Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Lucas. Lucas, chanté Lucas. Ça va. T'es un beau gosse toi. Hein. Non, t'as vu. T'es de quelle origine Lucas? Je suis ivoirien espagnol. Ivoirien espagnol, sacré ça. Mélange ça. Hein. Ah ouais. Et t'as quel âge Lucas? J'ai 17 ans actuellement. 17 ans. Ouais. Ah ouais, tu fais grand. Hein. Ah ouais? Et moi, tu me donnes quel âge moi? Je sais pas, 20 ans? Non, plus. Bonjour. Ouais, bien. Bonjour. Tu t'appelles comment? Moi. Tu t'appelles toi? Ouais. Moi, toi. Toi. Ok, c'est pas un problème ça. Salut. Salut. Vous appelez comment? Ambre. Jade. Jade. Vous avez Instagram, Snapchat? Ouais. C'est Ambre JNR. Ambre JNR. Et ajoutez tous Ambre JE, comment? JNR. Voilà. Et moi sur Insta, c'est jade.emk. Ah waouh. Vous avez quel âge? Moi j'ai 14. 14 ans et moi j'ai 15 ans. 15 ans. Ah ouais, 14, 15 ans, c'est bizarre hein. Notre génération là, votre génération, vraiment c'est... Ça va ou quoi mon gars? Ça va ou quoi mon gars? Bien, bien mon gars? Ouais, on est là, ça tu connais. Ouais, on est là. Tranquille. Ouais, franchement t'inquiète. Tu t'appelles comment mon boug? Moi je m'appelle Ryan. Et t'as quel âge Ryan? J'ai 18 ans. T'as 18 ans? Ouais. Est-ce que tu connais Weshden? Ouais, je la connais bien, bah ouais, je la connais ouais, bien. Elle est belle hein. Ouais, ça va, elle est mignonne. Ah. Mais elle est petite, elle est petite. Elle est petite. Ouais, elle est petite. Mais elle est belle quand même, non? Ouais. Avoue-le quand même qu'elle est belle. Ouais. Est-ce que vous connaissez Weshden? Ouais, on connaît. Bah, ouais. Vous bah, la ouais. connaissez comment? Bah, Anissa, et après, elle a fait son album, et surtout Anissa, oui. Bah, la même. Oui, je connais Weshden. Weshden, tu la connais comment? Mes amis. Enfin, ouais. Un peu sur les réseaux aussi, comme tout le monde. C'est qui Weshden? Elle est qui? C'est une artiste. Une artiste, elle fait quoi? Une artiste française, elle fait des chansons. Vous pensez quoi de l'album de Weshden? Il est bien, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Weshden. Ouais, moi j'écoute. Elle a fait un album même. Bah oui, elle a fait Wesh, t'es sérieux toi? Je savais même pas. Tu savais pas? Tu pensais quoi de l'album de Weshden? J'ai pas écouté son album. T'as pas écouté? Non. Et tu penses quoi de son album? Je sais pas, j'ai même pas écouté son album. Hein. T'as pas écouté? Que, Non mais tu mens. Tu pensais quoi de l'album de Weshden? Claqué. Éclaté au sol. Et pourquoi éclaté au sol? Parce qu'en fait, c'est nul. C'est nul. Toujours le même son, enfin c'est toujours la même chose sauf les paroles qui changent en fait. Ouais, c'est la même. C'est instru. Claqué. Moi, je l'écoutais en vite parce que mes potes, elles écoutent et bah, je trouve que elle a des bons sons vite fait hein, dans son album. Quoi comme son? Je sais pas, là, son. C'est quoi, c'est 16? Je sais pas comment il s'appelle ses sons. Hein. Moi, je sais, moi, Forcelle. Hein. Oh, non, et moi, c'est quoi ton préféré dans l'album? 16. 16. Oh, 16, direct. Magnifique 16. Direct, hein. Direct. Moi aussi, j'ai écouté 16. Ouais. T'as écouté 16. Feu ne prends pas pour le PTC5. T'inquiète, mon gars, on va s'arranger. Viens en privé. 357-Dubat, TIVSMV. C'est léger, Zama, léger. Toi, moi je te pose mes questions, tu t'essaies de la plus vocale. Moi j'aime bien Weshden, moi ouais, tu connais. Tranquille, t'aimes bien ouais. T'appelles comment? Kevin. Kevin, ouais. T'as quel âge Kevin? 15 ans. 15 ans? Ouais. Est-ce que tu connais Weshden? Ouais. Ouais. T'as écouté son album? Non. Non? Non. Et t'as déjà écouté l'une de ses musiques, non? Ouais, ouais. Ouais, et c'est quoi ton préféré de ses sons? Bah, Anissa. Hein. Anissa. Ouais. Est-ce que tu peux faire un petit a cappella, un petit truc que tu connais dans des... Je connais pas les paroles, mais... Elle dit quoi dans Anissa? Elle dit quoi? Un petit truc qu'elle dit dans Anissa qui t'a kiffé, c'est quoi? Tu portes tes caleçons sales. Tu es hors de ma vue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle a du talent ou pas? Moi, après, je trouve pas trop qu'elle ait du talent, juste c'est la tendance. Du coup, c'est ça qui fait, mais je pense pas qu'en soi, elle ait une très belle voix. Enfin, s'il y a beaucoup d'autotune aussi, donc... Bah, personnellement, je trouve pas... Elle sait pas chanter, enfin... Non, franchement... Je sais pas, en plus j'aime pas sa voix, genre elle est trop aiguë, elle force trop dessus. Elle chante mal. Est-ce qu'elle a du talent ou pas pour selon vous? Un son ça aurait été bien, genre si elle a fait que 16 ou un je sais pas, mm-hmm. Ça aurait été bien, mais pas plus, pas Coco, pas les... Non c'est trop. En vrai son album il y a que 16 qui t'intéresse, le reste c'est éclaté au même, sol. Même 16 en fait j'ai écouté quoi, deux fois c'est bon ça m'a saoulé. Ah ouais mm. C'est nul. Talent ou pas talent? Non. Pas talent, franchement ça va. Elle a du talent ou pas selon vous? Ouais. À ouais. Sa manière, enfin mm-hmm. À sa façon. Mm-hmm. La 16 ans, elle a déjà non. Plus de problèmes que tout le monde, frère. Vrai, comment ça, elle a plus de problèmes? Mais t'as vu tout le temps? Tout ce qu'elle raconte sur son truc, c'est quoi ça? Elle déjà s'est fait tromper. Vous avez quel âge, vous? 14 ans. Vous avez 14 ans? Oui. Ah, on dirait pas. Hein. Ah ouais? Tu ressembles à Weshden en plus. Waouh! Comment ça? Ouais, mais vas-y, de toute façon, elle a eu de la chance hein, de percer comme ça. Elle est belle, non? Oui, elle est belle. Non, vraiment, elle est archi fraîche. Elle est vraiment super belle. Mm-hmm. Mais elle aurait pas dû se mettre à la musique. Elle ouais. Aurait pu percer autrement, juste avec sa beauté. Est-ce que vous la voyez là, dans 5 ans? Non, jamais de la vie. Ça va rester 3 mois encore. C'est juste éphémère, ça va rester. Ça a percé, c'est juste un petit buzz. Et après, ça redescend. Hein. Mm-hmm. Wow. Et est-ce que vous connaissez l'une de ses paroles de musique? Je m'appelle Weshden. Est-ce que vous la voyez encore là dans 2-3 ans? Non, je ne vois pas.
pour non. vous. Pour moi, je la vois pas. Selon toi, ouais. elle a du talent ou pas? Là, la percée, elle va s'amuser, tout le monde me connaît. Mm-hmm. Mais là, après, c'est bon. Là. Mm-hmm. Mais juste, c'est une belle fille et tout. Genre, elle a percé sur un son, c'était drôle. Enfin, ça a ambiancé et tout. Mais vas-y, elle est partie faire un album, ça servait un peu à rien. Bah, là, honnêtement, là, elle est en train. Enfin, elle a du buzz et tout, mais d'ici deux mois, trois mois, plus personne va parler d'elle, quoi. C'est temporel, genre ça va pas. C'est un buzz du moment. On sait tous que ça va pas rester longtemps, quoi. Mais elle est hyper belle. Est-ce que vous la voyez là dans 2-3 ans encore? Pas du tout. Pas du tout. Bah, en fait, elle est hyper belle. Du coup, si elle, genre, elle va dans un truc de maquillage ou genre. De télé-réalité. Ouais, de télé-réalité ou genre mannequin ou un truc comme ça. Genre, elle devient une face plus comme ça, mais pas genre en mode chanteuse. Enfin, elle sait pas chanter. C'est de l'autotune en soi. Enfin, franchement, le seul son que j'ai écouté de l'album, c'est 16. Et après, c'était point, tout. J'ai c'est rien quoi ton donné... préféré dans l'album alors? Bah, c'est 16. C'est 16. Oui. Mais non, mais c'est 16. Oui, non, ça va. C'est ambiançant, on va dire, mais. C'est la seule. Mais tu vas pas écouter ça avec tes écouteurs tout seul chez toi. Non, non. Elle a peut-être une. Mais c'est ambiance, hein. Ouais, c'est ambiance, c'est drôle, voilà. Et si vous avez un conseil à donner à Wejden, vous direz quoi? Bah, de changer, de trouver quelque chose d'autre, une autre activité qui se rapproche un peu du même milieu et tout. La musique, c'est. Non. Il faut qu'elle exploite ses valeurs. Mm-hmm. Voilà. Et qu'elle va pas chercher dans les trucs où ça va pas marcher, car là, ça marche. Elle se fait un peu d'argent, mais d'ici 2-3 ans, enfin, ça va mourir. C'est pas un truc qui va tenir, quoi. Faut qu'elle s'oriente sur autre chose. Ouais, vas-y. On sait quoi de l'album de Wejden? L'album de. En fait, moi, je l'ai pas écouté. Ouais. Mais je trouve que Wejden, franchement, elle fait un truc très bien parce que elle joue vraiment de sa. Comment dire ça, sa popularité actuelle. Mm-hmm. Parce qu'actuellement, genre en mode vraiment, elle pète, tu vois. Mm-hmm. Et c'est le moment où il faut sortir son album, sortir les trucs, ses OP, plein de trucs comme ça. Ouais. Franchement, c'est ça, elle a raison. Franchement, ce qu'elle fait, c'est carré de ouf. Vraiment, c'est. Et vraiment selon toi, elle a du talent ou elle a pas de talent? Franchement, elle peut pas avoir percé sans avoir de talent en vrai de vrai. Mm-hmm. Elle a un talent. Peut-être les gens la critiquent tout ça, mais moi je trouve qu'elle a un talent parce que percer comme ça, gérer à son âge. Quand t'arrives à faire disque de platine, ça veut dire qu'il y a quelque chose. À son âge en plus, c'est un truc de ouf. Mm-hmm. Moi franchement, je trouve qu'elle a du talent et qu'elle continue comme ça, j'espère qu'elle va aller loin. Si vous avez un conseil à donner à Wejden, vous direz quoi? Arrête. Stop. Stop meuf, arrête. Non. Non, franchement Coco, moi j'adhère pas. Hein. T'adhères pas Coco? Je te mens pas. Et pourtant c'est les sons qui a bien marché de la meuf à la saison, elle a déjà là les sereins, je suis là en mode t'es. Déjà dans le ventre de ta mère, ça a commencé déjà les garçons quoi. C'est comment? Je vois ce que tu veux. Est-ce que vous la voyez encore là dans 2-3 ans? Oui. Franchement oui, je pense. Largement? Ouais, je pense. Et si vous avez un conseil à lui donner, vous direz quoi? Qu'elle reste elle-même, qu'elle essaye pas de aller au-dessus de ce qu'elle est déjà. Et ne pas calculer les commentaires surtout parce que ça parle trop d'elle. Hein. Ouais, franchement, ouais. Elle va dire, ouais, toujours les mêmes sons. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mm-hmm. Si elle veut lâcher un son comme ça, elle le lâche. Mm-hmm. Faut qu'elle reste elle-même et qu'elle n'écoute pas les commentaires. Et si t'avais un conseil à donner à Wejden, tu dirais quoi? Je sais pas. En fait, elle est belle. Mm-hmm. Mais ses sons, je les aime pas trop. Mais elle est grave belle. Genre, si elle peut faire un mannequin et tout, elle va percer. Mais, mm-hmm. mais t'as dans la télé-réalité, ma gueule. Voilà. Parce que tes sons, Inch'Allah, tu réussis, mais. Elle est plus belle que voilà. Talent ou pas talent? Dans la beauté. Voilà, on va dire dans ça. Dans la beauté, mais pas dans la musique, c'est ça? Dans la musique moyen, mais dans la beauté, elle est très très belle, machin. Ah ouais? Ouais. Ouais, talent. Franchement, ces musiques, elles sont ambiantes. En fait, elles rentrent dans la tête. Sinon, je trouve pas que ce soit un grand Kerry James ou des trucs comme ça, tu vois. Dans 5, 10 ans, elle peut encore être là ou pas pour toi? Je sais pas, moi c'est sa beauté qui compte, elle est belle. Hein. Elle est belle. En plus, c'est une Tunisienne, c'est carré ça. Et est-ce que tu penses que ta musique c'est un bon métier pour elle? Ouais. Tu aurais pas conseillé la télé-réalité un peu parce qu'elle a la beauté pour. Non, mannequin. Mannequin. Ouais, elle est belle. Mannequin. Elle est belle, ouais. Ouais. Mannequin. Ouais, et mannequin. Tu pourras gérer une meuf comme Wejden, toi? Large. C'est quoi ton préféré dans toutes ces chansons? Dans son album? Son album ou ses sons, ses singles qu'elle a sortis avant? Bah moi je connais que les principaux là. C'est quoi comme j'ai oublié carrément. Anissa. Ouais voilà, Anissa, Coco, voilà. 16. Après, non le 16 je l'ai pas écouté, je connais que les deux. Non, franchement 16 il est magnifique, tu peux l'écouter, je te conseille en tout cas. C'est bien 16. Et si vous avez un conseil à lui donner, vous donnerez quoi comme conseil? Pour qui? Wejden? Wejden. Bah moi je pense que Wejden, il faut vraiment qu'elle continue comme ça à fond. Mm-hmm. Parce que à son âge, franchement, faire ça, c'est un truc de ouf. Mm-hmm. Et qu'elle continue comme ça, et voilà, c'est tout. Hein. Et est-ce que vous la voyez encore là dans 2, 3 ans, 4 ans?
Bah, en fait, moi, je pense que dans les années qui vont suivre, elle va évoluer mentalement. Mm-hmm. Et je pense qu'elle va changer de style de musique. Mm-hmm. Si elle continue comme ça, je pense pas qu'elle va aller... Genre, dans 3 ans, on va encore la voir. Mais je pense que si elle évolue mentalement, mm-hmm. elle change de type de musique, mm-hmm. elle varie, mm-hmm. elle va un peu sur toutes les plateformes, YouTube, etc. Mm-hmm. Je pense qu'on va pas l'oublier. Je pense qu'on va pas l'oublier. Ouais, moi, j'aime. Si t'avais un conseil à lui donner, tu diras, ça serait quoi comme conseil? Franchement, tu connais, elle est là, elle est dans une bonne dansée, ça veut dire qu'elle continue comme ça. Hein. Elle continue comme ça? Ouais. Talent ou pas talent pour toi? Talent. Elle a du talent? Ouais, elle a 16 piges, wesh. Tu penses que dans 3-4 ans, elle peut toujours être là dans la musique? C'est quand même dur la musique. Ouais, mais après, ça dépend de Fenu, tu vois, parce que lui, il sait bien gérer le buzz. Ouais. Ouais. Est-ce que tu la vois encore là dans 5-10 ans faire de la musique? Selon toi, Wesh Dance, ce qu'elle fait, c'est du talent ou pas talent? Ouais, peut-être ce sera une sorte de maître Gims féminin. Hein. Maître Gims féminin carrément. Ouais, on sait pas. Hein. En gros, toi, tu valides tout ce qu'elle fait, quoi. T'aimes bien? J'ai pas tout écouté. J'ai écouté que Anissa et Coco, c'est tout. Ouais, sinon, t'aimes bien Anissa et Coco. Ça va. Ça moi, va. J'aime tout, moi. T'aimes tout? Ouais. T'es pas diffusé, toi. Hmm? Et si t'avais un conseil à lui donner? Bah. Tu dirais quoi? Qu'elle continue ou qu'elle trouve autre chose ou... Je sais pas, je lui dirais rien. Rien du tout. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, quoi. Elle fait ce qu'elle veut. Coco et Anissa, moi j'écoutais en bal. Ah ouais, ouais? Et entre Coco et Anissa, tu sais quoi? C'est... J'aime bien Coco. Anissa, c'est vas-y, Anissa, c'est vas-y. C'est éclaté. Et moi je m'appelle, ouais, vas-y frère. Ça, je... La réponse changeait un peu. Ah ouais? Et si t'avais un conseil à donner à Weshden, tu dirais quoi? Je sais pas. Un conseil? Je sais pas, si elle a à fond dans son truc, lâche pas. Hein. C'est faut travailler. Ouais, elle a du talent ou pas? Elle a du talent, ouais, elle a du talent dans ses chansons. Ouais. Et il faut pas lâcher. Et vous pensez encore la voir dans la musique dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Honnêtement, j'ai pas envie de casser son délire, hein, mais je pense pas. Allez, peut-être que. Peut-être que ce sera une Rihanna. Enfin, j'espère pour Rihanna. Elle, mais. Une Rihanna, une Cardi B, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle a quand même du talent, non? Non, elle a du talent quand même. Elle peut faire un truc, mais tu connais. Dans 2-3 ans, il y a moyen, il y a grave moyen. Bah peut-être. Hein. Faut qu'elle reste accrochée à Fenu pour qu'elle soit toujours là. Ça c'est pas... Non.